facilement. Ah, vous avez un GPS, oui. Si vous voulez bien enfiler cette blouse. Non, non, c'est une question d'hygiène. À leur âge, ils attrapent chaque microbe qui passe. Voilà, par ici, je vous en prie, bienvenue. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas, simple sécurité. Blam! Voilà. En choisissant notre maison de retraite, vous faites un excellent choix. Comment? Ah oui, vous avez pu remarquer en arrivant notre grand jardin avec ses allées larges, ses zones ombragées, ses petits bancs et notre petit étang où nous avions quelques canards. Hélas, le botulisme est passé par là et nous avons eu quelques décès. Oui, chez les canards aussi, oui. En été, c'est un véritable havre de paix. Si vous voulez bien me suivre, par ici, je vous en prie. Jean-Jacques! Ah, m'avait semblé entendre sa voiture. Il ne va pas tarder, hein? Quelle heure est-il? Ah, Jean-Jacques, c'est toi? Mais non, Madame Velin, ce n'est pas votre fils. Continue à regarder par la fenêtre, il ne va pas tarder. Oui, voilà. Non, alors ça, c'est Madame Velin, oui, elle passe toutes ses journées à attendre son fils, qui risque pas d'arriver, hein? Elle a jamais eu de fils? Comment? Non, excusez-moi, comment? Non, je disais, continue à regarder par la fenêtre, il va pas tarder. Bouh! Oh, Franck, Franck, qui va, Franck? Hé, moi, ça coupe les pommes de terre et les carottes, il faut faire la purée. Ah, tu veux manger la purée? Oh, t'as eu peur. Non, pas méchant. Dicapé, mais pas méchant. Franck, ne dérange pas monsieur, s'il te plaît. Voici Franck, notre homme à tout faire. Oui, il nous est généreusement prêté par l'institution voisine. Ah, il fait en quelque sorte partie des meubles. Meubles, Franck. Franck donne un coup de main à tout le monde, du jardinage, repassage. Oh, il ne rechigne devant aucune tâche, même repoussante. Il accompagne également l'économe au grand magasin et à la bibliothèque pour aller chercher les livres des résidents. Ah, Franck adore les livres, hein, Franck? Franck, dis bonjour à monsieur. Ah, bonjour, monsieur! Oh, pardon! Ah, t'as eu peur! Non, pas méchant! Dicapé, mais pas méchant! Oh, moi, j'aime bien les livres, oui. Oh, tu sais quoi? Va laisser c'est mes livres! Oh, va te monter mes livres! On va laisser c'est mes livres! On va te monter mes livres! On va laisser c'est mes livres! Oh. C'est ça, Franck, va chercher tes livres, voilà. On va continuer, excusez-nous, par ici, je vous en prie, suivez-moi par ici. Et nous voici dans le salon d'accueil, que nous appelons aussi le salon noir. Oui, car c'est ici également que nous installons la chapelle ardente. Oui, 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 lors du décès de l'un de nos résidents, oui. Ah, à ce propos, mais je vous en prie, asseyez-vous. Ah non, il n'y a qu'un siège, pardon. Je me permettrai d'aborder un sujet délicat. Vous savez, nous pouvons prendre totalement en charge l'organisation des funérailles. Formalité bien triste dans ces moments douloureux. La société avec laquelle nous travaillons peut vous proposer un grand choix de cercueils dans les matériaux très variés. Comment? Ah oui, c'est peut-être un peu prématuré, oui. Mais ça va si vite, hein? Oh, je me permettrai cependant de vous donner leur carte. Nom de Dieu, tu marches trop vite, hein? Tu veux me faire crever, hein, sale vache? Hein? Tu veux ma peau, hein? Oh, ça c'est Madame Le Poutre. Ça va, Madame Le Poutre? Ta gueule, pourriture! Tu veux ma peau, hein? Elle est charmante. Oh, c'est Madame Le Poutre que nous appelons amicalement l'araignée. Oui, c'est parce qu'elle souffre d'une déformation de la colonne vertébrale et doit se faire aider chaque jour pour ses petits exercices de marche. Voilà. Allez, courage, Madame Le Poutre. Un petit peu plus vite. À plus tard, ta gueule, salope. Oh. Ah non, ça m'était destiné. Oui, elle est un petit peu hargneuse. Voilà, on va continuer. Si vous voulez bien me suivre par ici, je vous en prie, suivez-moi par ici. Et nous voici dans le salon télé. Oh, non. Alors ça, c'est Madame Dupont. Ah oui, Madame Dupont est une excellente cliente du téléachat. Oui, elle achète régulièrement de nombreux articles. N'est-ce pas, Madame Dupont? Hein? Quoi? Je dois encore signer quelque chose? Non, Madame Dupont. Vous avez déjà fait votre commande aujourd'hui. Mais qui êtes-vous? Et où est-ce que je suis? Hein? Où est-ce que je dois signer? Madame Dupont n'a pas de famille, alors elle est très généreuse avec nous. Voilà, allez, on continue par ici, je vous en prie. Et nous voici dans la salle à manger. Vous pouvez constater comme elle est très lumineuse avec cette grande baie vitrée qui donne sur ce jardin. Ah, 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 ah non, c'est rien. C'est Monsieur Ambert. Ah oui, mais tout le temps. Ah, oh, Monsieur Ambert, on peut dire qu'il sait parler aux femmes. Vous allez voir, regardez. Monsieur Ambert. Dites, Monsieur Ambert, est-ce qu'elle est jolie, votre femme? Oh,
non. Oh non, poula, non, hein, percou, non, 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 non. Et moi, moi, je suis jolie, moi, oh oui. Il est charmant. Oh, puis ça me fait plaisir. Comme Monsieur Amber est coincé dans sa chaise de douleur, nos aides-soignantes l'amènent dès qu'elle trouve un moment de libre. Alors souvent, Monsieur Amber est là tôt, très très tôt. Alors il en profite pour prendre son petit apéritif, n'est-ce pas, Monsieur Amber? Elle est des nôtres. Monsieur Amber était négociant en vin, oui. Alors à son arrivée, nous avons fait transférer sa cave, comme ça nous en profitons. Comment? Oui, il en profite un petit peu, pas plus. Vous savez quoi? Vous allez boire un petit coup. Oui, c'est la fête. Santé, Monsieur Amber, voilà. Hé, Franck. Franck, qui pas Franck? Hé, le monsieur, il va venir vivre ici? Non, le monsieur ne va pas venir vivre ici. Il est venu visiter la maison de retraite pour sa maman qu'il veut enfermer. Non, placer, placer, placer. Oh, oh, placer, oh, oh, placer, oh, oh, chut, chut. Vous entendez? Il y a comme un bruit. Bruit! Chut! Chut! Mais chut! Mais chut! Oh, moi aussi, ça fait des grands yeux. Oh! ça vient de la cuisine. Hein? Nadine! Qu'est-ce que vous faites ici toute nue? Ton? Oh mon Dieu! Oula! Oula! Excusez-nous, monsieur, mais Nadine a la fâcheuse habitude d'échapper à l'attention de nos aides-soignantes. Alpha Tango à Charlie Bravo. Et repérez Nadine dans les cuisines. Récupération immédiate, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Nadine, ne vous promenez pas toute nue dans l'établissement. Nous avons de la visite aujourd'hui. Allez, filez dans votre chambre. Oh, Nadine est toute nue. Ouah, ça fait peur. Hé, hey, Franky est beau. Nadine n'est pas handicapée, mais ça, ça fait peur. Oh, oh, dégage, 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 dégage. Ouah. Ah, quelle ambiance, oui. On continue, comment? Ça? Ah, ça, ça doit être le dentier d'Odile. Et vous avez, à cet âge, on perd un peu de tout, hein? Culotte, dentier, mais plus souvent, c'est la tête. On va continuer, oui, voilà. Nous avons terminé la visite à cet étage, on va prendre l'ascenseur, montrer les chambres magnifiques. Quelle journée, c'est si calme d'habitude. Par ici, je vous en prie, voilà. Bienvenue. Ping. Voilà. Oula, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, ça prend la gorge, hein? Oh, ça n'est pas moi. Ping. Et nous voici à l'étage des femmes. Ah, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous voulez des petits biscuits? Ce sont des sablés, les préférés de mon mari. Il va bientôt venir me voir. Non, merci, madame Yvonne. Vous pouvez les manger toutes seules, vos biscuits. Puis il va pas venir, votre mari. T'es trop méchante, t'es sale, et puis tu pues. Puis il est parti avec une plus jeune. Alors tu peux les manger toutes seules, tes biscuits pourris. Voilà, on continue. Alors, nous avons le... Pardon, comment? Oh non, ne vous inquiétez pas, non, non, non. Madame Yvonne est notre défouloir, comme nous l'appelons à l'étage. Ah oui, elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Dans 5 minutes, elle oublie tout ce que je viens de lui dire. Ça vous fait pas rire? Non, je sais, c'est très cruel, remettez-vous là. Mais je vais vous dire, c'est le seul avantage de cette terrible maladie. Mais oui, parce que quand on repassera tout à l'heure, elle nous accueillera à nouveau avec le sourire. Ah, vieille salope! Voilà, oubliez, on peut continuer. Alors, voilà, nous avons une chambre. Hein, comment? Qu'est-ce qui est quoi? Ah! Non, restez là. N'ayez pas peur, je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce... Oh, mais c'est mort. Qu'est-ce... Non, c'est la perruque de Madame Dupont. Alpha Tango à Charlie Bravo. Alors, si vous repérez une chauve qui erre dans les couloirs, c'est Madame Dupont. J'ai sa perruque en poche. Je suis vraiment désolée. Non, déguise, venez me chercher. Mais qu'est-ce qui se passe, Odile? Mais ça fait 10 minutes que j'appelle une infirmière et que je suis sur le pot. Vous m'essuyez, hein? J'ai le pet comme un feu rouge. Ah, oh, oh. Oui, Odile. Et où est votre dentier, s'il vous plaît? Ah, ben, je sais pas, je l'ai encore perdu. Il est dans ma poche, voilà, et rentré dans votre chambre. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, Odile a du caca au cul. Oh, Odile a du caca au cul. Oh, Odile a du caca au cul. Eh, toi, t'as du caca aux mains. Franck, dégage, 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 dégage. Ouh.
excusez-moi, je ne... Ah, bonjour madame, bonjour monsieur. Vous voulez des petits biscuits? Ce sont des sablés, les préférés de mon mari. Il va... Dégage, tu fais chier maintenant! Oh, ça fait du bien. Vous voulez essayer? Pourtant, ça soulage, voilà. On va terminer par ici, on redescend, je vous en prie. Suivez-moi, quelle journée, c'est si calme d'habitude. Par ici, je vous en prie, voilà. Ping! Oh, j'avais oublié, je... Ping! Et nous voici à nouveau dans le grand hall. Ouais! Ne m'approchez pas! Rentrez dans votre chambre, cachez-vous, j'ai un client, et taisez-vous! Vous aussi, taisez-vous, dans mon bureau! On va signer les papiers pour votre maman. Je voulais dire, nous allons aller calmement dans mon bureau pour accueillir votre maman, qui sera parfaitement heureuse avec nous. Ah, vous allez réfléchir? Mais pourquoi? Ah non, d'accord, je vous en prie, la porte, par ici, voilà. Blam! Ben, au revoir, monsieur Martin! Et bonjour à votre maman! Bouh! Oh, Franck! Francky, pas Franck! Hé, la maman du monsieur, elle va venir vivre ici? Non! Oh, elle est sauvée, elle est sauvée!